Allez, un petit démarrage de The Crew 2 en bêta. On va voir ce que ça mérite. Bon, ce stream est fait pour la SPM Corporation, association d'e-sport, gaming. Bon, au moins il s'éclate toujours avec la bande son, c'est déjà ça. Bienvenue dans la ville qui ne dort jamais. Préparez-vous à voir New York envahie par une horde de pilotes déchaînés pour une course défiant les lois de l'imagination. Ce n'est pas une simple ville, c'est un véritable terrain de jeu pour les meilleurs sportifs d'aujourd'hui et de demain. Pour l'instant pas de changement. On reste toujours sur les écrous. C'est propre, nous c'est vous joli. Invitons aujourd'hui à assister au premier épisode du Live Extreme Series de l'année. Au cours de cette nouvelle saison, des challengers de talent vont se mesurer aux stars du circuit et essayer d'impressionner les différentes équipes de course. Et croyez-moi, elles sont aux aguets. Mais surtout, ils vont devoir vous impressionner, vous, le public. S'ils veulent gagner des fans en tout cas. C'est comme ça que ça marche. Faire de belles courses, oh, déforestation, c'est pas le truc. Les arbres sont déjà plus solides. The Crew, il fallait savoir qu'on restait quand même à dépiauter l'arbre sans le moindre problème. En parlant de prendre de la hauteur, regardez-moi ce saut! Vous avez vu comme les chiffres atteignent les sommets? Maintenant, c'est parti pour l'extrême. Ok, alors bienvenue dans Inception, hein, bien entendu. Ne prenez pas de la drogue avant de prendre le volant, voilà le message. Gagner des followers en gagnant des courses, bien entendu, mais ce n'est pas tout. Réaliser des figures spectaculaires comme celle-ci, et les fans se bousculeront au portillon. On est à deux tiers du circuit et j'ai l'impression qu'on est en train d'assister à la naissance d'un nouveau prodige. Bon, du moins au niveau de la map, c'est déjà bien fait, c'est déjà ça gagné. Préparez-vous pour le grand final, ça va être chaud! Les zones de Kenmare sont sympas, c'est déjà ça. Ah, comment ça se pilote cette connerie? Y'a pas de secret. Aujourd'hui, il suffit plus d'être un bon pilote. Faut aussi être pro en dehors du circuit et savoir gérer sa présence sur les réseaux sociaux. C'est tout simple en fait. Plus vous avez de followers, plus vous pouvez en gagner de nouveaux. Signez avec une équipe et les autres s'intéresseront à vous.
fidéliser des supporters et les contrats commenceront à pleuvoir. En d'autres termes, un pilote qui réussit à attirer suffisamment de followers aura accès à de nouveaux styles de pilotage appelés discipline. Sensations fortes garanties. Et n'est-ce pas ce qu'on recherche tous ? Ok, alors, le pilotage d'avion, en revanche, c'est sérieusement la merde. C'est juste pas intuitif pour un centime. Oh là là, je sens les followers un coup de main à prendre. Arriver d'ici, pas vous ? C'était le premier épisode de notre série Live Extrême, en direct du cœur de New York City. Merci de nous avoir accompagnés, et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas d'attacher votre ceinture, bien entendu. Bon, je crois qu'on avait tous vu un petit peu du trailer où on passait du véhicule à l'avion, au bateau. Alors devine quoi, camarade ? C'est officiel, on a cartonné. Va falloir qu'on fasse nos preuves, mais... C'est officiel, t'es débutant. On a le talent qu'il faut. Et il y a tellement de trucs à essayer. Bateaux, avions, toutes sortes de caisses. Ici, c'est le plus grand buffet du monde. Et on va pouvoir goûter à tout. J'arrête pas de recevoir des appels de partout. Street Racer, Off-Road, Pro-Racing, Freestyle... Japonais à volonté. On devrait aller voir ce qu'ils nous proposent, vu qu'on a le choix. Dis-moi chez qui tu veux qu'on aille en premier, et c'est parti. Camarade, sois le bienvenu à Motor Nation. Pour le japonais du coin, c'est sympa. C'est ni bon ni mauvais. Bon. Et ben oui, apparemment, on a quatre options. Par quoi tu veux qu'on commence ? C'est toi qui décides. Tiens, une nouvelle tête. Moi, c'est Latrell. Disons que je suis le comité d'accueil non officiel de la famille des Street Racers. Ici, on prépare nos caisses et on se distingue pendant les courses. Si ça t'intéresse de nous rejoindre, il faudra faire tes preuves. Je te prête une voiture, mais c'est toi qui conduis. Si tu gagnes, tu restes. Mais attention, c'est un prêt. Ne l'abîme pas. Les jeux de caméra et la plantation est quand même agréable. On voit les différents angles de conduite. On voit la joie similaire. On voit la joie un peu large. Et le rituel. Tout va bien. Un petit peu du réalisme qu'on avait eu sur The Crew, comme le dit, sur lequel on s'approchait déjà un peu plus de la réalité. Là, c'est un peu mieux entièrement à du street racing. On peut aussi jouer vivement et les tremplins comme ça. On est un peu plus sur le marquage. Et voilà, passe du réalisme à l'arcade grand public, c'est un peu dommage.
Bien, t'as réussi. Allez, viens avec moi. Je vais te montrer un truc qui va te plaire. Pour ceux qui ont reconnu le logo du Bitcoin, bien entendu. T'as fait une belle course. Tu as donc gagné ton droit d'entrée au spot. Le point de ralliement de la communauté Street Racing. Je fais partie de ceux qui veulent donner un cadre officiel à ce qu'on fait. Si tu penses pareil, on pourra peut-être s'entraider. Lui, par contre, il veut que ça reste underground. Son nom, c'est Edgar Marquez. Mais vaut mieux que tu l'appelles Tio. Dans le coin, c'est lui le champion. Le roi du 400 mètres départ arrêté. Si tu veux arriver à le battre, va falloir que tu donnes tout ce que t'as et deux ou trois trucs que je vais t'apprendre. Parce que, ok, t'as du talent. Mais moi, ce que je t'offre, c'est la maîtrise absolue. Tu vois les caisses, là? Il y en a une pour toi. Disons que c'est un cadeau pour avoir passé le test. Les autres bagnoles, par contre, il va falloir que tu te les payes. Gagne des courses, fais-toi respecter, et tu pourras t'amuser avec plein de joujoux. Drift, drag racing, hypercar, enfin, tu vois le genre. Il faut que tu cours, et surtout, il faut que tu gagnes. Alors, choisis une voiture, prends le volant, et montre-moi ce que tu sais faire. Belle petite Mustang GT, ça fera toujours plaisir à tout le monde. Au moins, c'est toujours plaisant d'avoir un beau véhicule. Oh oui, ça c'est chouette, tu nous dis. Ok, alors là on a emprunté un bon gros jeu de mafia. Allez, Bacon Cadillac. En sachant que tout se débloque au fur et à mesure. Allez, on va rester sur les classiques. Les indices de perf. Une petite préférence pour le blanc, ça reste sobre. Une Audi TT gratos quand même. Si vous avez ça dans la réalité, faites-moi signe. Cool. Toujours plaisant. Tu te rappelles ce qu'on disait à propos de customiser nos véhicules? Eh ben là, on a les outils pour le faire à la maison. Mais rien avec des flammes, ok? Vos amis Uplay, Ubisoft intégrés au niveau des listes, ça change pas. Oh
regarde-moi le débutant, là. Ça débarque de nulle part et ça se croit tout permis, je te jure. On verra si ça se croit tout permis quand il aura plus sa voiture à conduire. T'as raison, viens me donner un certains coup pilotes, il n'y a que ça qui compte. La fête, les amis, les voitures. Deux cycles de course dedans, c'est facile déjà plein. De comprendre pourquoi ils veulent pas que ça devienne légal. Va falloir du temps pour que plus de gens voient les choses à ma façon. Mais je suis pas pressé. Regarde-moi toutes ces caisses. Ce sont de vrais monstres qui sont réunis ici. Sauf le monstre. Mais tu sais de laquelle notre camarade devra vraiment se méfier? La petite qui a l'air toute normale là-bas. Hein? Elle a pas l'air terrible. On dirait pas comme ça, mais c'est un vrai monstre qu'elle a sous le capot. Et si on fait pas gaffe, ce monstre va nous dévorer tout cru. Non, mais bon, attends, tâchez de se concentrer un petit peu. Pour l'instant, on se reste de la bêta, de l'essai. Waouh, on dirait que le sleeper vient de se réveiller. Je le crois pas, comment il trace ? Il trace, mais combien de moins qu'une. Je vais bailler au niveau graphisme, qu'est-ce qu'on peut pousser? Hé la trail, c'est légal une caisse comme ça pour le street? En street, il n'y a rien de légal. Et c'est un peu ça le problème. C'est pas facile de convaincre les gens de renoncer à tout ce qui les fait kiffer du jour au lendemain. Quand même des cartes qu'on avait à l'époque Need for Speed Underground. Quand même des spécialistes là-dessus. Bombarder comme des gros gorées, ça change pas grand chose. Faut rattraper, ça c'est toujours un peu dommage. Poursuivi par un pot de yaourt. Et regarde, ça t'a rapporté du loot. Tu devrais aller le prendre. Je suis sûr que ça pourra nous être utile.
Le street racing, y a pas plus old school. On raconte même que ça a commencé dans les années 20, avec les contrebandiers d'alcool pendant la Prohibition. Oui, vu qu'ils passaient tout leur temps à esquiver les flics, ils ont voulu trouver une parade et ils ont commencé à trafiquer leurs caisses pour les rendre encore plus rapides. En fait, si on regarde bien, nos modèles street, c'est tout l'héritage des roadsters et des stock-cars améliorés. Alors, semble-t-il qu'on a trouvé du loot. Le loot contient des pièces que tu peux utiliser pour améliorer tes véhicules. Alors ramène-en autant que possible. Ah, oh, c'est bien ça! Jusqu'ici, on avait eu que du loot vert. Mais le loot d'autres couleurs contient du matos encore plus cool. Alors, passons au menu. En option. Heureusement. Le français est bien choisi. Profiter un petit peu des performances. Ouais, il reste encore bloqué en 60 fps, sachant que l'écran peut monter un peu plus. Ah, c'est quand même dommage. Je regrette un petit peu quand on avait la le visu du véhicule avec le châssis, avec les pièces moteurs. Ça avait un petit charme quand même que ici on retrouve plus trop. Alors on en vient juste à changer d'une pièce à l'autre. Bon. N'oublie pas que tu peux ouvrir la carte pour consulter les diverses activités disponibles. Enfin, tu peux aussi te la jouer zen, hein. Alors, on va pas se faire avoir par le clic droit. Qui, manifestement... Nous avons... toujours Los Angeles, New York, mais quand même la carte générale reste assez grande pour offrir un peu de contenu. Et ben, tentons une petite fuite. Sachant qu'on est toujours sur une bêta, donc les choses s'améliorent toujours, point de vue graphique, niveau gameplay, c'est vraiment de retomber à ajouter via les serveurs, via les forums. Super simple. Tu gagnes des followers en faisant des trucs. Plus t'auras de followers, plus on t'invitera à faire de nouveaux trucs qui te feront gagner encore plus de followers. Et des bucks. Plein de bucks. Et avec ça, on pourra acheter tout ce qu'on veut. Ça a l'air tellement simple de présenter comme ça. Petit rappel, il y a un niveau recommandé pour chaque épreuve. Alors informe-toi avant d'essayer. Bien entendu, tu peux ignorer les recommandations si tu penses que t'as le niveau. Mais il vaut mieux connaître les règles avant de se lancer, tu penses pas? Le 117 pour 230, je pense qu'il y a quand même pas trop faire de malin non plus.
Alors, nous avons un des joueurs qui l'essaye. Ok, c'est toujours magnifique. Je repop dessus. Et vous restez bien au milieu. Vous faites chier votre monde. Et ça ne gêne personne. C'est logique. Alors, voyons voir un peu. QG de Street Racing, bien entendu. Donc c'était bien là d'où on venait. Le classement se fait gentiment. Bon, pas de temps. Puis on va faire un petit plaisir, on va prendre plutôt un itinéraire plutôt que de se téléporter vulgairement dessus. Allez, voyons voir. Ça, ce sera remonté via les serveurs, via les forums. Thank you.
dans ce bip là? C'est ton radar qui indique qu'il y a une récompense live à proximité. Plus qu'à suivre les bips pour la trouver. Plus t'es proche, plus les bips sont rapides. Vas-y, essaie. Exploration du premier. Chaque fois que tu établis un record, il est envoyé à la live app pour que tu puisses le partager avec tes amis. Ça leur donnera peut-être envie de le battre. Enfin, s'ils ont le niveau. Ça n'a pas eu du char. Le bouchon reste fluide. On n'est pas sur la résolution 4K, mais de toute façon, un peu moteur en revanche, un petit peu revanche. D'accord. Ça va, j'ai compris le concept. Season Pass, si vous voulez rajouter du package dans tous les sens. Et bien souvent, ce package, vous l'aurez sur d'autres aussi, comme des goûts-clés, comme vous l'aurez un peu moins cher, voire dans les événements. Donc là, malheureusement, le prendre dès le début, souvent vous payez plein de balles. C'est toujours dommage. Enfin voilà, donc c'était un petit essai de The Crew 2. À essayer, et si ça vous a plu, achetez. Enfin, en tout cas, la SPM Corporation devra ouvrir une session pour ce jeu-là et profiter un petit peu de tournoi. Voilà, bonne journée, j'espère que ça vous a plu. Au revoir, c'était Adémar.